Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un petit à l'action. Alors j'y étais jeudi, je crois. Ouais, ou mercredi, je sais plus, à Saint-Orens. Et j'ai été hier, donc vendredi après-midi, à l'Onagué Fenouillet. J'ai pas pu vous faire de haul avant parce que je recevais du monde, j'avais du boulot, voilà, j'étais occupée ailleurs, ça c'est l'été, on en profite pour recevoir les amis, voilà, les apéros, les visites improvisées, et c'est ça qui est bien. Donc du coup, j'ai pas pu vous le faire avant, mais j'ai trouvé des bricoles, et donc je voulais vous les montrer. Donc on va commencer par Saint-Orens. J'y avais été parce que j'y vais pas souvent, Saint-Orens, parce que c'est un peu plus le bazar pour y aller niveau route et tout ça, il y a plus de monde et tout. Donc j'ai profité des vacances pour y aller. Donc j'ai trouvé des bricoles. Alors, pour commencer en nouveauté, j'ai trouvé des washi. Alors oui, je sais, je ne suis pas washi, je ne m'en sers pas. Sauf que là, j'ai craqué dessus. Parce que c'est tout à fait ce que j'aime et que en plus ça peut aller bien avec des projets que j'ai en tête. Donc il y en avait plein de sortes, hein. Je crois qu'il y avait 4 ou 5 sortes. Moi je n'en ai pris que 2 parce que vraiment j'ai craqué dessus. On va commencer par celui-là. Voilà, j'ai craqué sur celui-là parce que je l'adore et parce que je trouve qu'il va bien dans le thème de la nouvelle collection Stamperia que j'ai acquérie, fait que j'ai commencé à faire de Cosmos. Donc du coup je l'ai pris parce que ça peut bien compléter la collection. Bon, j'essaye de vous l'ouvrir. Là c'est improvisé, je profite de pouvoir vous filmer, faire quelques vidéos là. Donc sachant qu'il y a 3 halls. Donc Action, Horizon Créatif, Mille et Une Création, que je vais vous tourner à la suite. Je pense que je vais essayer de vous les mettre à la suite aussi, comme ça, parce qu'il y a déjà 2-3 jours de décalage avec quand j'ai reçu les commandes. Là, et voilà. C'est pour ça que je vais me dépêcher un peu. Donc, voilà. Donc, j'ai pris, comme vous voyez, celles qui me suivent ou qui connaissent la collection Stamperia de Cosmos, c'est dans les tons de Stamperia. Voilà, c'est sur le thème de l'espace et tout ça. Moi, j'adore. Voilà. Alors après, là, je m'en servirai peut-être pas, hein, mais j'ai craqué dessus. Pour le prix, je sais pas si c'était pas 3 euros. Voilà. Mais bon, après il y en a 24, donc voilà, je trouve ça, moi ça, c'est une tuerie. Mais bon, je suppose que vous les connaissez, même s'ils sont nouveaux chez moi, je pense que il y en a qui doivent déjà les connaître. Celui-là aussi, j'adore. La lune, les planètes, c'est la lune, ouais non, les planètes, ouais, regardez-moi ça. Donc bref, voilà pourquoi j'ai pris celui-là, parce qu'il ira très bien avec la collection Cosmos. Voilà, et forcément j'ai craqué sur celui-là, mais ça vous étonnera pas. Voilà, donc pareil, nous avons les voitures anciennes, les trains, la carte. Donc forcément je ne pouvais pas le laisser là, les écritures là, les genres de cartes postales. Voilà, la Paris, c'est Paris. Donc voilà, forcément je ne pouvais pas le laisser, même si je suis pas très washi. Ben là pour une fois je m'en servirai. Ensuite, rien d'extra, j'ai acheté des éponges. Voilà, donc ça c'est moins d'un euro les deux. J'ai repris du gesso noir parce que ça part à une vitesse impressionnante.
Bah, vous savez que j'adore le mix média, donc du coup, voilà, comme il m'en restait presque plus, j'ai dit je vais en prendre. Pour le prix, je sais plus, ça doit être dans les 2 euros, 2-3 euros, un truc comme ça doit être. Ça doit pas être plus de 3 euros, ça c'est sûr. Voilà, et parce que je m'en sers beaucoup, sachant que vous allez avoir plusieurs créas steampunk, mix média là. Mais je les ai programmés, les vidéos, et voilà. Donc, comme je vous ai dit, maintenant que j'ai trouvé le petit truc, c'est beaucoup plus facile pour mon portable. Ensuite, j'ai trouvé des pinceaux à réservoir d'eau, comme ceci. Donc, j'ai trouvé trois tailles. Alors, j'ai pris les trois tailles. Brosse à eau, il y a marqué. Voilà, exactement, c'est des brosses à eau. Donc, c'est du 1 et 2 mm. Voilà. J'ai trouvé le 3 et 5 mm. Voilà. Et j'ai trouvé le 12 et 8 mm. Voilà. Alors, je vous montre ça parce qu'en fait, c'est trois couleurs différentes. Voyez. Voilà, j'ai trouvé que ces trois, donc je ne sais pas s'il y en a d'autres ou pas. Moi, j'ai pris les trois que j'ai trouvé. Pour le prix, bah, ça doit être du 20 euros, un truc comme ça. Hein. J'ai même pas regardé, je vous avouerai, parce que je sais que ça, c'est pas cher. Donc voilà. Et ça tombe bien parce que j'en avais acheté deux à l'époque et je les trouve plus, donc ça va très bien. En fait, c'était pour ça qu'on était y aller. J'ai repris de la silicone. Voilà, transparente. J'ai pas pris celle qui était en promo parce que celle-là était un peu moins chère. Voilà. Il faut savoir que, bah en fait, là, j'ai fait pas mal de 3D là, ces derniers jours. Puisque j'ai ma chère Marlène qui est venue avec sa coco pour faire la 3D. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on était y aller. Et je vais vous montrer, en fait, en gros. Qu'on était y allé pour la silicone et un support pour le tableau. Et donc, du coup, ben, voilà ce qu'on a fait. Je vous le représenterai quand il sera vraiment fini parce que là, il n'est pas verni. Et du coup, moi, j'avais acheté ce support pour ces poissons qui sont juste magnifiques. Donc là, vous voyez, c'est encore un peu blanc. C'est en train de sécher. Voilà. On a fait deux tableaux et du coup, moi, j'avais craqué sur ce support. C'est un plateau en fait. C'est un petit plateau pour mettre des décos. Et moi, je m'en suis servi pour faire mon 3D dedans. Voilà. Mais je vous le présenterai mieux avec l'autre qu'on a fait quand ils seront finis. C'était pour vous montrer le support que j'avais trouvé. Voilà. Moi, j'adore. Marielle l'avait acheté aussi, je crois. Mais elle l'a fait sur un cadre. Bon, enfin. Mais elle vous le présentera sûrement. Ensuite, j'ai pris de la sauce, donc César et chili. Donc, bah, ça c'est pour mon fils, ça c'est pour mon mari. Ça devait être dans les 1,20 €, 1,30 €, un truc comme ça. Je crois qu'elles étaient en promo cette semaine. Mais bon, voilà. Donc, ça, j'ai pris. Hop. Et puis. J'ai pris que c'est dur. Ouais. Et j'ai craqué sur des petits dice comme ceci. Il me semble que j'en avais pris plus. Ou alors j'étais très raisonnable. Je sais pas. Je m'en souviens plus. Donc j'ai pris le love comme ça. Ça, c'est 99 centimes. Et j'ai pris le. Ah, je sais pas ce qu'il y a marqué dedans. Love you. Voilà, je vous le préciserai quand je ferai la découpe. Donc voilà, il y en avait plein d'autres, mais apparemment j'ai pris que ces deux. J'ai pas été trop, j'ai su me contrôler apparemment. Donc voilà, ah, si, j'ai repris un pack d'aquarelle métallique à 1,20 € ou 30 €, voilà. J'ai dit, parce qu'il n'y en a pas beaucoup dedans, et comme du coup je vais revendre les autres, du coup je me suis dit que ça c'était
j'allais m'en servir de ça, voilà. Donc ça. Et puis c'est tout, voilà, pour Saint-Thomas. Et puis ensuite, donc hier à Lonaguet. Lonaguet et fenouillé. J'ai parce que là c'est les deux mélangés. J'ai trouvé les du papier noir comme ceci. Voilà. C'est 94 centimes les 20 pages. C'est du 150 grammes. Alors, clairement, je ne m'en servirai pas pour des albums. Parce que je n'aime pas trop la qualité des papiers noirs. Vous savez qu'il y a dans les blocs où il y a du blanc, du craft et du noir. Voilà. Pour les albums, je trouve que ça va pas. Ça s'abîme. Il est bizarre le papier. Voilà. Et il est épais. Donc là, clairement, celui-là qui est plus fin, puisque c'est du 150 grammes, je vais m'en servir surtout pour tout ce qui est cartes et tout ça, voilà. Des choses qui sont pas lourdes déjà, parce qu'une page d'album peut être très lourde, suivant comment on la travaille et tout, et qui s'abîmera pas, voilà, parce qu'une page d'album, on la tourne et tout, fait bon, on la maltraite un peu. Donc du coup, j'en ai quand même pris deux pour les essayer et voilà, pour faire des cartes surtout. Pas des albums par contre, ça c'est sûr. Mais bon, ça c'est mon opinion à moi. Et, bon, j'ai pris du coca parce que j'avais soif. Voilà. Là. Du coup, j'ai repris de la silicone transparente. Ça c'est 2,19€. Parce que du coup, on est en train de faire l'atelier 3D et tout, à s'amuser. Et puis, j'ai une amie qui est venue et du coup, elle m'a commandé un tableau en 3D. D'ailleurs, je pense qu'on le fera ensemble, c'est sur l'esprit zen. Voilà. Donc du coup, vu qu'il m'en restait qu'une de ce que j'avais acheté, j'en ai repris. Donc, j'en ai pris trois. Ensuite, j'ai pris des sauces comme ceci. Je ne les connais pas. C'est des nouvelles sauces. Donc, j'ai pris sauce au citron. Voilà. Mais relevée quand même, puisqu'il y a marqué hot. Et j'ai pris celle-là. Je crois que c'est à l'ail. Ouais, c'est à l'ail. Donc, voilà. J'ai pris ces deux sauces. Je me suis dit, ça pouvait être sympa de les goûter. Pour les prix, c'était pas très cher. Ça devait gagner 1€ quelque chose. J'ai repris des sauces comme ça, mais ça, celle-là, c'est pour les vacances, en fait. Je les ai pris en double, vous voyez. Ça, c'est pour la maison. Ça, c'est pour les vacances. Comme ça, je serai tranquille. Niveau sauce, pendant les vacances. J'ai repris, forcément, mon palmier olive que j'adore. Il n'était pas Saint-Thomas celui-là par contre. Je ne l'ai pas eu. Et voilà. Moi, j'adore, mais vous le savez, c'est tout un pareil. Ensuite, j'ai pris cette sauce aussi. Qui est au miel. Et au piment. Voilà. Donc elle pique aussi, mais elle est au miel. Voilà. Donc ces trois sauces. Il me semble que j'ai pris les trois qu'il y avait. Je sais pas s'il y en a. Je crois qu'il y en a une ou deux de plus que j'ai pas pris. Mais c'est des sauces relevées quand même. Ensuite, j'ai pris des enveloppes, puisque j'ai quelques envois à faire. Ça rentre pas dans mes petites boîtes. Voilà. Donc du coup, j'ai pris ça pour faire les envois. Et puis, voilà. Ah si, 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 si. Et du coup, j'ai craqué sur des dice. Alors, ceux-là, je les ai trouvés à Lonaguet. Donc, je vous montre. Ils étaient à 2,69€, 89€, un truc comme ça. C'est ceux à 2€ quelque chose.
Donc j'ai craqué sur celui-là. J'ai craqué sur celui-là, forcément. En plus, il y avait Marielle avec moi. Elle l'a pris aussi. Hein. Elle a craqué dessus. Mais elle vous fera le haul aussi. Là, elle est en route. J'ai pris celui-là. Et j'ai pris celui-là. Voilà. Il y en avait d'autres. Il y en avait vraiment d'autres. Bon, moi, je me suis restreint à cela. Sachant que les autres, ils ressemblaient un peu à ce que j'avais. Vous aviez des ronds. Vous aviez ça, mais en genre de bannière. Voilà. Enfin, il y en avait plein d'autres. Moi, je n'ai pris que celle-là. J'étais raisonnable. Faut bien. Et pour finir, chez Action, j'ai pris un parfum comme ça, là, d'ambiance. J'adore celle-là parce que ils font... Vous savez, quand on fait des petits déos et tout ça, après, ça retombe, ça fait mouiller par terre et tout. Ceux-là, ils sont secs, donc du coup... moi, j'adore cela. Et ça, je crois que c'était un peu moins de 2 euros. Donc, c'est pour ça que je l'ai pris. Voilà. Je vérifie, mais je crois que c'est bon. Je reviens. Oui, donc voilà, c'est tout pour Action. Vous voyez, j'ai quand même été raisonnable. Juste... Excusez-moi. Donc, juste, du coup, après Action, je vais amener à Cultura, qu'elle voie, parce que je sais que les Cultura ne sont pas les mêmes. Du coup, j'ai pris ce cadre-là, puisque ma copine m'a commandé l'image zen là-dessus, puisque j'en avais déjà acheté pour faire mes images en 3D zen, justement, avec les orchidées, tout ça. Du coup, j'en ai repris un, surtout que là, il est en promo à 50%. Donc, du coup, j'ai craqué, je l'ai pris, puisque au lieu de 5 euros, c'est 4,99, je l'ai payé 2,50. Voilà. Donc, du coup, je l'ai repris pour moi, puisque j'aurais fait son tableau, moi, je l'aurais pu. Du coup, je l'ai repris. Et j'ai pris, parce que Marielle avait le matériel 3D, pour la 3D, mais je ne lui avais pas trouvé le nettoyant pour le vernis céramique. Donc, du coup, on a regardé toutes les deux et on a dit qu'on allait essayer celui-là. Donc, ça, c'est un nettoyant liquide. Brush cleaner, voilà. Donc, c'est pour huile et tout ça. Donc, on va le tester. Je vous dirai si ça marche ou pas. Et je me suis dit, au pire, que ça pourrait quand même nettoyer mes autres pinceaux que j'arrive pas bien à nettoyer. Bon, après, je vous l'avoue qu'on l'a pris parce que normalement, il est à 7,50 et que là, il était à 70% de réduction. Voilà. Donc, on l'a pris pour le tester. On a dit, bon, on se mouille pas trop. Normalement, c'est pour des pinceaux à huile. Enfin, c'est pour l'huile. Parce qu'il y a marqué for wall. Donc, pour huile. Voilà. Donc, c'est à tester. Voilà. Écoutez, moi, sur ce, je vous tout plein de gros bisous. J'espère que cette petite vidéo rapide vous a plu et je vous dis à très bientôt. Bye bye.